Salut les critiques! Aujourd'hui, je vais vous parler de Podom, l'album dont vous avez peut-être déjà entendu parler, de Hubert et Zanzyme, un duo assez fameux. Donc là, on va suivre l'histoire de Bianca dans une Italie de la Renaissance. On va lui proposer de se marier avec un jeune homme, mais qu'elle n'arrive pas à rencontrer. Il semble assez distant. Et sa tante va lui offrir un très étrange cadeau. Elle va lui offrir une peau d'homme. Et cette peau d'homme va lui permettre de se transformer complètement en homme. Elle va donc vivre complètement différemment, puisqu'elle vivra comme un homme, avec beaucoup plus de liberté. Et cela va lui permettre de rencontrer réellement son fiancé. Il va donc se dégager une réelle rencontre entre deux, et une rencontre amoureuse aussi. Donc Hubert et Zanzyme reviennent ici sur un thème que Hubert a déjà pu travailler, l'homosexualité. Et c'est vraiment un album qu'on a adoré, il y a une vraie portée féministe, humaniste, et des dessins splendides, un scénario encore une fois très touchant. Voilà, énorme coup de cœur de cette année pour nous les critiques. Et c'est donc aux éditions Glénat. Yeah.